Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la quatrième manche du championnat 2014. Aussi en Chine. Non pas sur le circuit de Zhuhai, mais sur le circuit de Shanghai. Donc comme dit précédemment, c'est pas ça que j'apprécie énormément. Pas tant que le circuit est mauvais. C'est juste que les courses, je trouve pas très intéressantes. Surtout il fait pas beau à chaque fois en Chine. Enfin, en tout cas pour le Grand Prix. Ça n'a jamais plu, un peu comme le Grand Prix d'Inde d'ailleurs, il est couru. Et heureusement pour nous, on n'aura ni le Grand Prix d'Inde ni de courir en 2014. C'est parti. Alors je vais faire un setup un peu agressif cette fois-ci. Je vais mettre un peu plus de vitesse de pointe parce qu'on a quand même, vous pouvez voir ici, trois longues lignes droites. Enfin une moyenne et deux longues. Du coup, on va reprendre ce setup là. Alors c'est pas dit que ça marche bien avec les pneus durs. Je pense que ça devrait le faire. C'est parti. Le secteur complètement raté. Et c'est un 8, c'est un 6e temps. Et plutôt pas mal. En soi, on rentre côté des pieds comme il est. 17ème, on est vraiment meilleur tout de suite pour l'instant. Pas à dire. J'ai raté les deux doubles gauches, donc j'ai perdu un peu de temps quand même. Je pense un bon 0,5 à 5 dixièmes à peu près. Mais bon, j'aurais pas été en pole pour autant. Quand on a les deux Mercedes en pole, les deux Red Bull derrière, Ferrari, Sauber, nous-mêmes. Et derrière, on aura Greg Kuenen, Magnussen, Valtteri Bottas, c'est Felipe Massa. Alors pour le coup, est-ce qu'on tente la même stratégie ou pas? Je ne sais pas quel temps il va faire. Alors, apparemment... Ok, il va faire gris. Alors je pense pas qu'il va pleuvoir, mais il va faire gris. Donc on va faire le même setup que tout à l'heure. Au niveau de la stratégie, on va faire la même que d'habitude, c'est-à-dire restart, on va partir en prime et on va prendre les options pour la deuxième partie. Parce qu'on va prendre 9 tours, voilà, 9 tours, je pense que ça devrait être. Cette fois-ci, on va essayer de passer à avoir et de vraiment prendre des bons pneus au bon moment. Allez, go to track, c'est parti.
ce Grand Prix de Chine. Allez, on envoie. Et on va à nouveau viser les points ici. Pour l'instant, on est sur une bonne pente, hein. Ça commence à sortir en qualification. On va être donné. Ouais, mon départ alors qu'on est en peu dur. Oui, premier virage. Ouais, il garde vraiment l'intérieur, on va pas tarder de passer. Oh, pas mal. Ça me ralentit là tous. Oh, ils sont tellement ralentis que je vais essayer d'aller à fond. Ça, j'en profite, hein. Je vais profiter de ce moment de errement avec les pneus pas température. Ça va pas super. 20 de grip dans cette partie là. Et on est deuxième. Oh, le temps est tellement gris, je me demande s'il n'y a pas pleuvoir. On restera devant les autres. La stratégie va fonctionner. Maintenant, je veux que les pneus durs glissent moins que les pneus tendres. Rater mon freinage. Sont juste devant la Red Bull. J'essaie de tenir la ligne, mais c'était pas évident. Plus bientôt, ils vont avoir le DRS. Hamilton s'éloigne, ça m'étonne pas trop. Allez, le DRS est activé. Thank you.
j'ai quand même un rythme correct. Certes, c'est Vettel qui a passé les Red Bull, j'ai l'impression, mais... Non, je suis bête, pardon. J'ai oublié qu'on est en 2014 et pas 2015, donc Vettel qui est chez Red Bull, pardon. Intérieur qui est vraiment usé. Après qu'on aura 9 tours à tenir avec cette zone. Pas trop souvenir du Grand Prix de Chine, je sais même plus qui avait gagné. C'est Rosberg qui est passé en deuxième position maintenant. Hamilton qui a 7 secondes d'avance sur nous, c'est énorme. Énormément d'avance rapidement. J'ai énorme, ça fait une seconde et demie par tour à peu près. Qu'ils auraient presque pu modifier le Grand Prix de Chine. Vous voyez la chicane qui est juste avant là, l'énorme virage à droite. Mais ils auraient carrément pu l'enlever et faire un ovale énorme à la place. On irait directement dans l'ovale et on remonterait sur la ligne droite là ici et ça ferait. Ça serait pas mal en vrai. Je trouve que cette chicane elle est un peu useless. Il va avoir le DRS là, je pense. Reste à l'intérieur et les amontes pas qu'ils nous touchent. Et ils nous ont touchés. Attendez, il faut un damage, mais j'ai pas vu si c'était pour le Rosberg derrière ou si c'était pour Hamilton.
Pour l'instant, le temps bouge pas. L'intérieur, il y en a qui sont rentrés au centre. Oh, la tentative, la terreur désespérée. Mais bon, c'est passé. Ouf, j'ai vu c'est le troisième, ils sont tous arrêtés. Du coup, on est en tête du Grand Prix pour le moment. Voilà, après qu'on a... On a bien tiré sur les gommes. Il s'arrête aussi. Tout le monde s'arrête, j'ai l'impression. Avance sur Vettel. Je sais qu'Hamilton ne s'est pas marqué. En second sur Hamilton. On va en sortir derrière, bien sûr. Allez, dernier tour, on s'arrête au stand. Toujours en 11-12 secondes. Là, qui remonte pas trop.
Ah, dis donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce qui m'étonne, c'est l'écart faible qu'il y a entre Hamilton et Vettel. Alors qu'Hamilton devant nous avait au moins 8 secondes. À 9 secondes, là, ça commence à être critique. Allez, option. Tout seul, parfait. J'espère qu'ils vont mettre les options. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai eu les jaunes. Allez, c'est parti, on va à la chasse de Vettel maintenant. Il y a 4 tours pour monter. Il faut quand même que je fasse attention, j'ai pas les plans encore en température. Ouais, je pense que oui. Ferrari contre Ferrari. Non, pas vrai contre Ferrari, j'ai raté mon freinage. Et j'ai raté mon bout de freinage à cause de la vitesse. Allez, deuxième chance. Ça glisse. Il va pouvoir emmener à l'extérieur par contre. Ok, 13 secondes de retard sur Hamilton, on les aura jamais rattrapés. On peut peut-être savoir la deuxième place de la course. La stratégie marche bien. Comme je vous l'ai dit, partir en dur puis finir en soft, ça marche super bien. Donc, il y a moyen de contenter de sa stratégie tout le temps. Sauf évidemment intempéries. En plus, il commence à faire beau. On voit que ça s'éclaircit au niveau des nuages.
Méthode, même avec des gommes pas forcément tendres. Même beaucoup plus rapide. C'est juste à cause des gobes pour le moment. Une seconde d'écart. Une seconde. En pris presque une seconde, mais pas plus. C'est passé dans la chiquette, dans les plaques, mais ça n'a pas tourné vraiment. Ça tombe pas beaucoup de l'autre côté. Hein. J'ai l'impression que je tombe très mal du côté des droites. Dernier tour. Peut-être aller prendre un premier podium de la saison et une belle deuxième place. Bien sûr, Hamilton n'en aura pas, mais ça. Je pense que battre les Mercedes en 2014, il va falloir vraiment s'approcher. J'utilise jamais la suralimentation. Oui, effectivement. Pas grand intérêt pour le moment. Thank you.
on va terminer sur la deuxième place. Premier podium. On a fait un tour en 1.44.160. Est-ce qu'on aura droit au podium? Eh ben c'est pas mal. Alors, on va voir le classement. Du coup, Hamilton qui remporte le Grand Prix devant nous-mêmes, Nico Rosberg. 3e, 4e Vettel, 5e Ricciardo, 6e Alonso, 7e Raikkonen, 8e Kevin Magnussen, ça est 9e. Et un petit point pris par Force India à la 10e position. Mon équipier très très loin. 18e. non, je vais avoir une Caterham ou une Norris devant nous, pas du tout. Mais derrière les Lotus. Quoi. Ce qui fait qu'au niveau du championnat pilote, on est 6e avec 30 points. Je vais s'imaginer si on avait eu les 18 points de la deuxième place au Grand Prix de Bahreïn, on aurait été combien? 48. On aurait été loin, mais on aurait été 4e. En tout cas, c'est pas mal pour le moment. 30 points, c'est vraiment bien. On va voir au niveau du classement constructeur. On est en 4e position, c'est excellent, et même devant Williams. Alors, est-ce que ça va durer, ça, je n'ai aucune idée. Mais on va essayer de faire au mieux pour marquer les points souvent qu'il sera possible de faire. Et du coup, eh ben, on va se retrouver à la prochaine course. On va droit au podium. Il a une pizza sur le casque, Gutiérrez. Ah, c'est marrant parce qu'on voit la fin, mais on voit pas le podium en tant que tel. Pas dommage. Mais bon, au moins on a une petite cinématique. Most Successful Track, Shanghai. Bah oui, maintenant on a fait notre meilleure place finale pour ce Grand Prix. Un championnat qui démarre très très bien, hein. Content. On n'a pas eu de problème avec le jeu, toujours, donc on croise les doigts pour que ça continue. Et on a fait 408 km pour le moment, 76 tours. On a à peine fait la distance d'un Grand Prix. C'est logique puisqu'on a fait 4 fois 25%. Et du coup, prochain Grand Prix en Espagne sur le circuit de Catalogne. Avec la nouvelle chicane qui n'est plus maintenant présente hein, lors de la vidéo, qui l'a enlevée l'année dernière. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, blablabla, vous savez. Et on se retrouve pour la suite en Espagne. Ciao tout le monde!